Bonjour, c'est Patty, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai été faire un petit tour à Action Sainte. J'ai pas trouvé grand-chose, mais bon, j'ai trouvé quelques petites bricoles, vraiment petites bricoles. J'ai trouvé les glitters 3D Drops. Donc j'ai pris argent et or. J'ai trouvé le... C'est du vert et l'autre, ça doit être un peu du mauve, je pense. Voilà, je voulais trouver du bleu, j'en ai pas trouvé. Donc ça, ensuite j'ai trouvé du adhésif foil couleur argent. On peut faire une petite carte de Noël avec. Ensuite, j'ai trouvé celui-là, mais je pensais qu'il y avait du gris dedans, mais il n'y en a pas, donc c'est pas grave, hein, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais me servir du premier. Voilà. Je vais me servir de celui-là, qui est holographique. Après, vous avez celui-là, ça flash, hein. Ça flash vraiment. Celui-là en genre de peau de serpent. C'est pas vraiment mes couleurs, mais bon. Et celui-là. Donc, je trouverais bien à faire quelque chose avec. Voilà. Ensuite, on va remettre ça là-dedans. Si ça veut bien y rentrer. Ça y était, donc ça rentre. Voilà. J'ai pris un double face. Il va falloir que je me commande sur internet du double face 5 mm. Je suis allée à Bureau Vallée, ils en ont pas. En grand rouleau, ils en ont pas. Voilà, donc ça, je mets ça de côté. Je vais vous faire voir pourquoi j'ai pris ça. Et j'ai trouvé des petites lampes comme ça. Donc c'est avec les piles, on met les piles. Et ça s'allume. Donc j'en ai pris 2 paquets. C'est à 89 centimes, je crois. Donc, c'est tout pour mes achats. Donc, je voulais vous faire une petite carte. On va faire une petite carte que j'ai fait comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ces petites piles. Voilà, on les allume et on les met dans ces cartes-là. Donc on va en faire une ensemble. Donc j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci avec du papier, avec ce bloc-là là, qui vendait chez Action. Alors, attendez, celui-là, pas grand-chose. Avec le Paper Craft 7. C'était avec les... Avec les oursons et tout ça. Donc, je me suis servi de ça. Je me suis servi du bloc. Hop là, pardon. Je me suis servi du bloc de chez Action qu'on trouvait gris là. Donc j'ai fait celui-là avec ce papier-là. Et je me suis servi de ce bloc là, c'est il vient de l'année dernière, celui-là j'avais acheté l'année dernière pour faire celui-là. Elle est où ma petite lampe? Voilà, pour faire celui-là. Donc là j'ai mis des petites pommes de pin, j'appelle ça des pommes de pin là, que j'ai trouvé en forêt. Donc j'ai collé ça pour faire tenir ma carte là, comme ça. Voilà. Alors, il vous faut un morceau de papier de 28,5 par 15. Il vous, quand vous avez 28,5 par 15, vous faites un pli à 10,5, un pli à 20,5. Et vous obtenez ce morceau-là. Moi, j'ai pris sur un bloc
Il y avait du, pardon, façon bois, tissu, tout ça. Ensuite, j'ai pris un dail qui mesure 7,5, c'est-à-dire au dos, ici. Il mesure ici, en prenant bord à bord, 7,5. J'en ai pris un autre qui fait 8,5. Ce sont des dagues de chez Action, hein. Tout est à Action. 8,5. J'ai fait un trou, un premier trou avec le petit. Là, juste là, ça là. Donc vous le placez là où vous voulez, hein. Moi je l'ai mis quand on met la carte. Et puis la carte, elle se vient comme ça. Voilà. Quand ça c'est fait, je reprends un morceau de papier. Je colle mes deux dailles l'un à côté de l'autre pour pouvoir me faire un rond pour cacher le tour de celui qui a été coupé. Je pense que c'est clair. Voilà. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier calque que j'ai embossé avec un classeur que j'avais trouvé chez Nose. Ce sont des étoiles. Alors attendez, parce que là je suis pas à la bonne place en plus. Allez, et attends. Voilà. Quand c'est embossé, il y a des étoiles. Donc là, j'ai pris ce papier-là 10 par 10. Ensuite, donc ça, je vais ranger là. Ça, j'ai repris des petits sujets là, des petits embellissements sur ce papier là que je vous ai présenté tout à l'heure. Je fais pause 5 minutes et je reviens. Voilà, je suis désolée. Donc j'ai repris des petits embellissements sur ce calepin de l'année dernière. Et maintenant, nous allons finir notre petite carte. Donc, je vais coller mon papier calque sur ma base de carte. Il fait 10 sur 10. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Si j'arrive à l'enlever. Mets ça au bord. Voilà. Je viens de coller là. Voilà. Et que c'est collé ici. Ensuite, je viens coller le tour sans se tromper. Je prends la colle scotch, ça colle plus vite. Voilà. Bien au bord. J'espère que vous voyez, je vois dans le champ. Voilà, donc ensuite, je viens poser mon étoile. Alors mon étoile, j'avais vu le dessin, où est-ce qu'il l'avait mise? J'avais repris un peu le pardon, le sens de l'étoile, voilà, comme ça. Donc, je viens poser mon étoile ici.
C'est tout simple. Hein. Pardon, c'est une carte toute simple. Hein. Donc là, je viens la positionner là. Ensuite, je mets mon Eric Rishma. Je le mets en bas. Ensuite, j'ai des poinsettia que je vais mettre en haut. Pardon. Moi, le temps, ça me réussit pas. Hein. C'est tout gris. C'est vraiment au mois de novembre. Hein. Donc, je en mets un ici. J'en mets un là, je glisse ça en dessous. J'en mets un autre ici, que je glisse en dessous des deux autres, s'il veut bien venir. Voilà. Ensuite, j'ai pris le petit nœud que je vais mettre. Mon étoile n'est pas droite. Oh. Pas grave. Je vais mettre mon nœud ici. Plus ça va, plus fine nuit. Hein. Fine nuit de bonheur maintenant. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre pour tenir ma carte? Qu'est-ce que je vais mettre pour tenir ma carte? J'en sais rien ce que je vais mettre. Je fais pause, je reviens, je vais chercher ce qu'il faut pour mes deux. Voilà, j'ai retrouvé des rose qu'une copinette m'avait envoyé. Elle arrive à m'ouvrir. Ça se colle, ça. Et là, je vais prendre ces deux-là. Donc, je repositionne ma carte à peu près. Je vais en mettre une ici. Elle veut pas coller parce qu'il n'y a plus de scotch en plus derrière. Donc je la positionne à peu près 1,5 cm du bord. Donc je vais mettre ça là. Je reprends une autre. Elle veut pas coller non plus. Donc, je la positionne à peu près. On va reculer un peu. J'essaie de... Alors, par contre, si vous marquez les plis, faites attention, c'est du papier action. Hein. Les papiers action, ça casse. On va refaire un pli là pour que ça tienne bien. Et normalement, elle doit tenir. Voilà. La petite carte est faite. Donc ma petite lampe, elle est là. Je la glisse en dessous.
Et voilà. Une petite carte toute simple que vous pouvez mettre sur une cheminée. Donc, ces petites cartes-là, je vais les offrir à des copinettes et j'enverrai les lampes avec. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vais vous embrasser et vous dire à bientôt. Bisous, bisous.